Bonjour les garçons. Bonjour maman. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les garçons? Aujourd'hui, on va tester la nouvelle KidZoom Video Studio de VTech. Yes. Donc nous déjà on est des grands fans de VTech depuis que vous êtes tout petits. Tout petits comme ouais, ça. Ouais, depuis que Tino et Lenny même sont tout petits, ouais. Parce qu'on a eu beaucoup de VTech, on a eu la tablette Storio, ouais. On a eu les KidZoom. Ouais. Duo, les appareils photo, ensuite on a eu les KidZoom Max. Enfin, on a eu beaucoup de VTech. Ouais, depuis que vous êtes tout petit. Donc du coup, on est pas mal niveau VTech. Alors là, c'est la nouveauté. Et ouais. C'est la caméra. Ce qui tombe très bien, parce qu'il y a quelques jours, qu'est-ce que tu m'as demandé toi Cody? Une caméra. Eh oui. Enfin, j'ai demandé une caméra, mais vu que je l'ai vue à la pub, je me suis dit... Oh, elle est trop bien. Donc du coup, Cody, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il me réclamait une caméra. Ouais. Parce que voilà, on filme beaucoup, il aimerait bien prendre la mienne. Mais bon, j'ai un peu peur qu'il me l'abîme. Donc du coup, c'est vrai que je cherchais une caméra adaptée à Cody. Ouais. Et là, on a découvert la KidZoom Video Studio, qui a l'air mais vraiment géniale. Trop bien. Ouais. Trop bien. En plus, il y a la caméra, il y a un petit trépied qui est livré avec, qui peut faire aussi... Oui, le plus qui arrive... C'est une nouveauté. Ouais. Personne a un fond vert. Oui, fond vert. Donc voilà, en fait il y a plusieurs choses ici. Dedans. De toute façon on va tout ouvrir parce que voilà, regardez. On va vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Dans le fond vert, là vous le voyez, ouais. On peut faire comme si on se fait attaquer par des requins, comme si on est sur la plage, comme si on fait la météo. 70. Voilà. Voilà. 70 effets. Oui. On va tout ouvrir, on va tout vous montrer. Mais déjà, c'est vrai que déjà, moi j'adore le packaging, le carton et tout, c'est trop mignon. Ouais. Les couleurs de la caméra, elles sont super jolies. Donc on ouvre tout ça et on vous montre tout ce qui est à l'intérieur. Mais je pense que déjà vous avez bien résumé. Et voilà, on a tout ouvert. Moi j'ai la belle caméra, elle est trop bien. Ouais, elle est trop belle, c'est vrai. Alors, voilà. Alors, dans le kit, il y a la caméra, bien évidemment. Voilà, un fond vert. Regardez, je vais me mettre debout ou pas pour vous. Non, alors, donc le fond vert, donc soit. Alors, ça sert de fond vert ou de cape d'invisibilité. Voilà, alors. On va tout vous montrer après. Le fond vert, et puis là, je crois que c'est la cape d'invisibilité. Non, mais c'est seulement si tu te la mets sur toi ou si tu l'accroches au mur en fait. Ah, donc, oui. Du coup, fond vert et cape d'invisibilité. De toute façon, oui. On va tout vous montrer après. Et puis moi, j'ai rien. Non, t'as rien toi? Juste un poignet. Et ben non, j'ai pas. Et oui, voilà, donc la poignée qui se transforme en trépied. Donc ça c'est super sympa parce que ça va être très pratique pour les effets, vous allez voir après. Il y a aussi un petit... Voilà. C'est ça exactement. Une petite accroche pour accrocher à la caméra, je vais l'accrocher. Et un câble USB pour relier à l'ordinateur. Tiens, est-ce que tu peux me donner la caméra Cody s'il te plaît? Ok. Voilà, donc la caméra, je vous la montre de plus près. Alors les couleurs sont vraiment jolies. Donc elle est noire et bleue, voilà, KidZoom, voilà, Video Studio. Et là, l'objectif, on peut le mettre vers soi pour faire en mode selfie. Bah voilà, comme ça, tu peux te filmer en selfie, en fait. Tu peux me montrer? Attends, t'inquiète pas, on va tout montrer après. Donc il y a plusieurs petits boutons, plusieurs fonctionnalités. Et là, bon, bah forcément, on peut accrocher la poignée ou le trépied. Mais ça, je trouve ça vraiment sympa, le mode selfie, en fait. Ouais. Mais on va tout vous montrer après. Alors, ce que je vous propose, les garçons, c'est qu'on installe le fond vert. Ouais, je te la redonne. Oui, pardon, Cody, excuse-moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on installe le fond vert. Et comme ça, on va pouvoir, déjà vous montrer comment on l'utilise avec la caméra posée sur le trépied. Ok? Oui, allume ou pas? Vas-y, allume, mon bébé. Il y a une araignée, elle me saute à la tête. D'accord, Lenny est déjà en train de se faire un petit scénario. Bon alors on attache le fond vert. Alors, on va pousser le petit canapé et on met le fond vert. Allez go. Allez go. À tout de suite. Alors nous avons installé le fond vert. Voilà, donc je l'ai mis à peu près à la taille pour Tino, pour Lenny et Cody. Pour que les deux puissent à peu près être sur le fond vert. Et puis même on peut se mettre ici. Ouais, vous pouvez vous écarter un petit peu mais il faut rentrer dans le cadre. Et c'est Tino, notre cadreur du jour. Alors je suis le cadre. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien fait parce que vous êtes un meilleur professionnel. Alors, Tino, je t'explique comment on fait pour le fond vert. Donc là, Tino, il a pris le petit trépied en mode poignée. Voilà.
Donc du coup, Tino, tu vas sur ici, tu vois, sur le truc fond vert. Non, non, avec les petites flèches directionnelles. T'as des petites flèches là. Voilà, alors attends, je montre en même temps. Donc tu vas sur le fond vert. Là, tu choisis un thème. Alors qu'est-ce que... Bah, c'est Tino qui choisit, puis on va voir, ça va être le secret de ce que vous allez faire. Alors, choisis ce que tu veux, Tino. Tu peux descendre. C'est bon, t'as choisi là ? Oula. Alors là, t'appuies sur OK. Voilà. Tu cadres bien tes frères. Alors tu avances pour, tu vois, pour pas qu'on voit que c'est un fond vert en fait. Voilà. Et du coup, alors attends, parce que moi il faut que j'arrive. Décale-toi un petit peu, Cody. Et Lenny aussi. Voilà. Et je vais essayer de voir dans ton, dans ta caméra ce qui s'y passe. Donc du coup, Lenny et Cody, vous ne le savez pas, mais vous êtes dans l'espace. Dans l'espace. Alors, vous êtes dans l'espace. Tino a mis le fond vert espace. Alors quelqu'un veut venir ? Non, non, attends, parce que sinon moi je vais plus réussir là. Donc là vous êtes dans l'espace. Donc en fait, on voit dans la caméra Tino que Tino a mis l'espace. Et quand je me recule, on voit le fond vert. C'est vraiment sympa. Et du coup, en filmant, on se rend compte de ce qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment sympa. Alors du coup, vous allez faire chacun votre tour. Un fond vert chacun. Alors... À moi tu mets. Ça va être vraiment l'attraction... L'attraction des vacances, quoi. Filmer. Alors, vas-y. Tino, tu vas au fond vert. Okay. Cody va filmer. Alors, on va peut-être changer de fond, d'accord ? Okay. Alors, pour changer de fond, comment on fait ? On revient à la petite maison. Voilà. Et là, tu peux choisir un autre thème et tu le dis pas à tes frères. Alors, attends, mets-toi bien pour que moi, je vois aussi. Avec les flèches, tu choisis un autre fond. Avec la flèche du bas. Alors, les garçons, placez-vous bien sur le fond vert. Et là, alors attends, parce que moi, j'essaye de voir en même temps. Alors, attends, on va mettre que Tino, par exemple. Non, non, commence, fais rien. On va mettre que Tino. Alors là, Lenny, pousse-toi parce que là, c'est mieux si c'est qu'une personne. Est-ce que je dois faire une tête ? Non, non, tu fais comme si tu conduis. En fait, Tino, tu es dans une voiture dans le désert. Filme ou pas là ? Attends, Cody, touche à rien. Tino, tu regardes le paysage. Lenny, t'appuies pas sur moi ! Franchement, mais c'est trop bien, mais cette caméra, je crois que les garçons, ils vont plus la lâcher. Je pense... Est-ce que je peux essayer de vas-y, filmer ? Vas-y, tu peux filmer là. Yann, voilà, là, tu filmes. Allez, il y a eu un accident ou quoi là? Oh oh, il n'y avait personne dans la voiture. Je crois que les garçons ils vont plus les lâcher là, la caméra. À moi. Une personne. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se créer leur propre film. Alors les garçons, on fait des petits films, donc là on a branché la caméra hein, sur une prise secteur parce que bah, on commençait à avoir beaucoup moins de batterie et du coup on va vous montrer les petites vidéos que nous avons faites. Alors, le météo, lundi, nuage, mardi, pluie, dimanche, soleil. Oh, merci monsieur météo. Voilà la première vidéo. Et la deuxième vidéo, les garçons étaient dans un château hanté. On a enterré où là ? Une maison. Attends, qui veut aller dedans ? Moi je veux pas. Alors, est-ce que ça vous plaît, les garçons ? Oui ! On peut vraiment se faire des films sympas avec ça. Ouais. Alors là, nous avons enlevé le fond vert. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire, Cody ? On va essayer la cape d'invisibilité. Alors, faut que tu la mettes bien, ta cape. Hein. Viens là. Ouais. Viens là. Parce que là, on voyait ton t-shirt. Donc à ce moment-là, on va faire comme ça. On va la retourner comme ça. Attends, viens là, mon cœur. Ouais. Voilà. Voilà, comme ça, là, tu devrais être invisible. Regarde-moi. La perd pas, ta cape. Hein. Ouais. Attends, viens là. En fait, Cody veut essayer de faire l'homme sans corps. En fait, l'homme invisible du corps et on voit que la tête. Alors là, faut que tu fasses attention. Alors maintenant, Cody, vas-y, arrive avec ta cape et on devrait ne pas te voir. Attends, je cadre bien dans la caméra. Vas-y, arrive avec ton fond vert. Arrive avec ta cape. Alors mets-la bien, ta cape. Hein. Mets bien ta cape, vas-y. Je suis l'homme sans corps. Et là du coup voilà, en fait on voit
que la tête de Cody. Eh mais c'est trop bien. Est-ce qu'une autre personne peut essayer? Ouais, une autre personne va essayer. Moi. Ah mais c'est trop fort. Et cachez-vous tous les trois. Alors là, faut que tu te baisses un petit peu parce que tu vois, je suis pas assez haute là. Mettez-vous tous les deux. Baissez-vous. Par là. En fait, c'est nul, je vois rien. Bah c'est normal, c'est invisible. Ah oui. T'as vu, on voit que leur tête. Ah ouais. Et s'ils cachent leur tête, cache ta tête, Tino, par exemple. Là, on les voit plus. Attends. Ils sont invisibles. Est-ce que tu vois mes mains? Attends. Là, je vois une main. Bah, tu vois, au fur et à mesure, ça disparaît, quoi. C'est trop marrant. Tu vois mon bras? Ah non, là, t'es plus dans le cadre du tout, là. Est-ce que tu me vois? On va faire une petite vidéo, on va vous la montrer. Alors, voici le petit film de Cody. Je peux compter jusqu'à 3 et je vais faire apparaître un Tino. Tu vas faire apparaître un Tino? Oui. Ok, vas-y. 1, 2, 3. Oh, un Tino! Bravo Cody! J'étais pas sûre, regardez. Alors, est-ce que c'est rigolo cette cape d'invisibilité? Présenter la nouvelle caméra et voilà, je l'ai dans mes mains en fait. Bah oui, je me filme avec zoom. Bon bah Cody va pouvoir faire ses petites vidéos tout seul. Alors les garçons, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle caméra VTech? Elle est trop bien. La meilleure Kidizoom. Non, c'est là, je me trompe, VTech. Oui, c'est Kidizoom, hein. C'est Kidizoom, vidéo studio. Alors du coup, c'est quoi l'effet que tu préfères toi, Tino? C'est quoi la cape d'invisibilité, les fonds verts? Toi, c'est le fond vert, Lenny? Oui, on peut faire 70 trucs. Et c'est quoi pour l'instant dans ceux que t'as essayé? C'est quoi que tu préfères? Je sais pas, j'aime tout. Toi, Tino? J'adorais quand Gaudi s'est fait manger et il a coulé comme ça. Moi, j'adore la cape d'invisibilité. Bien. Ouais, tu peux faire des petites blagues à tes copains. Ouais. Et toi, Cody, qu'est-ce que tu préfères? Moi, ce que je préférais, c'est quand on tourne la caméra. Ah, le mode selfie, toi. Ouais. Toi, pour faire comme un grand. Ouais. Ok. Bon, bah du coup, je pense que vous allez pas lâcher la caméra. Ah ben non. À mon avis, il va en falloir une deuxième et une troisième. Il y a des copains qui vont dormir chez nous aujourd'hui, bah on va leur montrer. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je crois qu'on va fixer le fond vert à long terme en fait, dans votre chambre. Je vais faire des selfies avec eux comme ça. Bon bah c'est cool. Bon du coup on va pouvoir dire au revoir aux copains les garçons. Au revoir les copains, surtout pensez au pouce bleu et surtout abonnez-vous. Allez, gros bisous. Gros bisous.